Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la Carrière Manager avec Colchester United. Aujourd'hui comme promis on va s'intéresser au mercato, on va pas faire que ça hein, puisque si je dis pas de conneries on va faire 4 ou 5 matchs. Mais déjà en ce début d'épisode on va tout simplement faire du mercato, c'est important même si on est en D4. On va recruter un joueur qui était à Colchester United il y a quelques années. Alors c'est pas du tout Marcel Sabitzer, mais j'ai confondu parce que leur nom se ressemble je trouve. C'est pas Sabitzer, non, c'est un joueur bien moins fort mais qui au moins est accessible du coup. C'est Smodix, vous allez voir ce joueur dans quelques instants. Voilà, il a 24 ans, c'est un joueur pas exceptionnel hein, mais il est extrêmement agile. Et c'était vraiment le meneur de jeu de Colchester United, il fut un temps, donc on va essayer de le recruter tout de suite. On va énormément négocier, hein. Je vais proposer des prêts, des échanges de joueurs, surtout des clauses de revente de malades, etc. Je vous le dis tout de suite, malheureusement ça va pas aboutir et on n'arrivera pas à recruter Smodix pour l'instant. Voilà, notre offre a été refusée, on va donc s'intéresser à d'autres personnes un peu plus tard, mais déjà on va commencer par le match effectivement de cet épisode. Je vous le dis tout de suite, c'est le premier mais c'est le plus important, ça y a pas de débat. Le match face à Leeds United, on va faire un petit peu de changement d'effectif pour ce match de coupe, notre premier très très gros match. Si Swansea, on va dire que c'est de la D2, on fait les gourmands et on dit D1. Leeds, c'est vraiment le match le plus important pour l'instant de notre saison, hein, même si je pense qu'il y en aura des plus importants. On va jouer contre Leeds en 4-3-3 et je vous laisse avec le match. Et voilà les footeux, on crée l'exploit, on gagne au penalty, victoire un peu à l'arraché, c'était beaucoup plus compliqué que face à Swansea, c'est une victoire un petit peu moins belle, mais elle fait du bien, on peut clairement remercier notre gardien qui nous a sauvé 4-1 quand même, il en a arrêté 2 ou 3, je me souviens plus, je crois que c'est 2, mais en tout cas monstrueux notre gardien, vraiment, on peut le remercier et cette victoire on peut lui dédier. Qui fait qu'on passe au tour suivant
de la Carabao Cup et on commence à faire un joli petit parcours en éliminant un club de 2D2 et 2D1, voilà. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée même si c'est quand même très compliqué. On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus classique avec le championnat un petit peu après. Mais déjà on va recevoir deux offres de transfert, non une seule, pour Chilvers. C'est pas un joueur que j'utilise beaucoup honnêtement, mais bon, vraiment 390 000, c'est assez peu. Donc je vais demander un petit peu plus, voilà, je vais négocier. Et finalement je veux pas être extrêmement gourmand, je vais accepter pour 410 000 euros, voilà. Parce que c'est vraiment un joueur, je pense pas qu'il ait joué un match, donc ça a rien non plus de garder pour garder. On va ensuite changer un petit peu l'effectif pour le prochain match de championnat. On va faire tourner un peu avec notamment le retour de Senior, de Norris et de Gambin qui n'avait pas joué depuis quelques matchs quand même, parce que Poku avait été exceptionnel. Mais là Poku est fatigué, donc on met Gambin, voilà, avec Norris en pointe également, qui avait fait pour son seul match de championnat un quintuplé. Donc on espère qu'il va faire la même performance. Et voilà le match nul un partout face à une équipe normalement moins forte que nous. On peut clairement remercier notre gardien pour cet arrêt qui préserve le nul du coup. C'est peut-être un petit peu le contre-coup de la victoire face à Leeds. Un petit peu trop d'émotion peut-être. En tout cas on va s'intéresser maintenant à la fin du mercato. Voilà, cet épisode il s'appelle Mercato. Il va falloir faire des recrues donc. Un joueur que j'ai remarqué, c'est face à l'équipe contre laquelle on vient de jouer, c'est Ira Jackson Jr. Il avait fait une bonne performance contre nous, je vais demander un prêt, mais ça va être refusé, donc je vais pas faire ma fine bouche et je vais tout de suite demander de l'acheter. Je vais faire un échange avec Gambin qui franchement me convainc pas, et c'est accepté, donc voilà, je suis très content. Notre premier recrue de cet épisode, il va accepter pour un salaire minable de 700 euros il me semble, voilà. On va ensuite recevoir une offre pour Gambin. Je voulais pas le vendre à la base, mais je vais négocier parce que je sens qu'on peut vraiment tirer un bon prix. Et on va le vendre pour 840 000 euros si je dis pas de bêtises, voilà. Alors que l'offre initiale était de 740 000. On va ensuite retenter le prêt pour Brewster avec une option d'achat cette fois-ci. On va faire la même chose pour Ali Whitman de Tottenham. Il me semble que c'est le troisième gardien de Tottenham. Donc on va négocier avec Mourinho pour pouvoir l'avoir également avec une option d'achat. On a mis tout notre budget hein, pour l'option d'achat finalement. Parce que notre gardien est très bon hein, pour l'instant. Mais il a 35 ans quand même, il va pas pouvoir tenir toute cette carrière finalement. Donc voilà, deux offres de transfert. On va également négocier pour Joseph Starbucks avec Wright, qui va être la monnaie d'échange. Ça va être accepté. On va ensuite parler avec le joueur pour son salaire qui va être accepté. Donc pour 700 euros, voilà. On va ensuite terminer le mercato. On a
le prêt de Bray Wester qui est rejeté. C'est pas extrêmement surprenant. Et on va ensuite recevoir 4 messages. Et dans ces 4 messages, il y a, on va le voir, voilà, le refus également de Whitman. Donc ça, c'est dommage. On a quelques rapports mensuels aussi, etc. On a ensuite partir pour le match face à Barrow. 19ème, là c'est vraiment le match pour se remettre un petit peu en forme après le nul. Et on part avec l'équipe vraiment une, et je vous laisse avec le match. Voilà les footeux pour ce match, défaite 2-0. On peut encore dire que c'est le contre-coup face à Leeds, mais ça commence peut-être à faire beaucoup, un nul, une défaite. Voilà, on est un petit peu décevant pour la suite des performances après le match face à Leeds. Voilà, on pourrait faire clairement mieux face au 18ème de la 4ème division. Avec le budget qui nous reste du mercato qui n'a pas été étincelant, on va recruter un recruteur justement qu'on va envoyer chercher le nouveau Cristiano Ronaldo donc au Portugal, voilà. On va ensuite partir pour le match et cette fois-ci il faut vraiment se remettre en forme, là ça devient vital pour pas plonger complètement dans le néant. On va donc faire quelques changements, notamment avec, vous allez le voir, le Taylor Cross en attaque qui n'a quasiment pas joué et on va voir ses performances. Et voilà les footeux, victoire nette et qui nous remet dans le droit chemin, 4-0
notamment grâce, on peut le dire, à un super match de Tyler Cross, auteur d'un but et de deux passes décisives. Pour moi, c'est l'homme du match, même si c'est Ben Stevenson qui a été élu, encore, hein, parce que lui, c'est vraiment, il est tout le temps élu homme du match. On va ensuite faire quelques changements pour le match qui suit, voilà. On va remettre Poku, histoire qu'il se remette en forme dans cet épisode. Il fait pas des super performances, voilà, même si là, il est rentré et il a marqué. On va jouer contre Temero Rovers, excusez-moi vraiment pour la prononciation, le 19e. Bon, là, vraiment, il y a plus le choix. 19e de FA League 2, on vise la première place. On n'a plus le droit de perdre et on va tout donner pour leur montrer qui c'est les patrons. Victoire un petit peu à l'arraché, j'aurais aimé gagner plus nettement, on en avait clairement les moyens. Malheureusement, victoire 3-2, bon, c'est quand même une victoire, donc on va peut-être pas dire malheureusement. Hein. Très très beau match de Poku. On va ensuite recevoir voilà, le rapport final sur Sammy Smodics, donc vous voyez qu'il a des stats vraiment intéressantes, hein, je trouve, pour un joueur de FL League 1. Lui, il est monté dans un club de FL League 1, c'est pour ça qu'il a quitté Colchester finalement. Peut-être pour ça que ça a été dur de l'avoir. Ensuite, on a reçu quelques rapports mensuels, voilà, ce joueur avec énormément de potentiel, on va le recruter, on va tous les recruter de toute façon, sauf un seul, c'est Pablo Ferrer qui a un potentiel un peu trop bas pour que je le recrute même à Colchester. Voilà, on va ensuite faire quelques changements, l'équipe 1, hein, globalement, on va rester sur Poku, Brown, Senior, Bramall, tout ce qu'il faut, avec Dean notamment en défense qui pour moi est devenu titulaire incontournable, et je vous laisse avec le match. Perfect.
Et voilà pour ce match. Comme d'hab, on aura encaissé un petit peu en fin de match parce que on se relâche trop, je pense. Performance XXL de Brown qui a marqué son triplé. Voilà pour ce match. On se laisse. On se retrouvera pour l'épisode 4 pour un match assez fou, celui face aux Wolves, pour vraiment confirmer. Ça va être un match compliqué, hein, faut pas se leurrer dans la Carabao Cup. Mais en tout cas, bon, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette carrière manager. Salut les footeux.